Salut à toutes et à tous, c'est SiWed. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur du Digimon Card Game avec Si, la EX06 Infernal Ascension. 24 boosters, 12 cartes par booster, on a une box promotion, donc une carte promo parmi 6 différentes. On a 79 cartes au total différentes, messieurs dames, 22 communes, 20 zones co, 18 rares, 12 super rares, 2 secrets et 5 special rares. Et bah écoutez, pourquoi pas, hop, ma partie préférée elle est juste ici. Maintenant qu'on s'est fait le tour du propriétaire, messieurs dames, perdons pas plus de temps, hop. Tac, voilà donc. On a ici notre promotion pack, ok, ça doit être les balles ici bébé, hein, je pense, une version alter de chaque bébé, hop. Et du coup messieurs dames, donc de ce que j'ai compris, cette EX là, elle remet en avant la première génération de Digimon, avec ici on le voit hein, de toute façon, ici on a du coup Angemon et Devimon, donc ça a l'air plutôt stylé, en vrai je dis pas non, clairement, hop. Donc écoutez messieurs dames, avant de commencer par les boosters, on va commencer par notre promotion pack. Hop, tac, voilà, bon, en attendant, j'espère que vous allez bien, que la famille, les enfants et belle bézute, tout le monde va bien, tac. Ça, c'est bon, c'est ouvert, qu'est-ce qu'on a ici-bas? Attention, messieurs, dames, ta-da-da-da-da. Hop là, et ce sera du coup un Yokomon qui sera du coup en foil, ok, en foil promotionnel. Et bah écoutez, pourquoi pas, c'est une Unco, c'est une commune, ok, très bien, donc les bébés ont l'air d'être des communes, ok. Et bah écoutez, messieurs, dames, le booster est quand même sacrément stylé, on va pas se mentir, hop, et c'est parti pour notre premier booster de Infernal Ascension. Voilà, ça c'est bon, le booster, tac, est ouvert, hop, est-ce que les cartes, voilà, les cartes sont bien là, on est censé en avoir 12, est-ce que ce sera bon, on verra ça tout de suite avec ici, messieurs dames, un Tsukaimon, ok, un Lopmon, ici nous avons Final Excalibur, Sea of Destruction, Zuba Igarmon ici, un Duramon, Sagomon ici, ok, en Unko nous avons directement un Devimon, ok, Teka Takaishi et Kari Kamiya ici en Unko, Turuei Mon, ici, ok. Mythical Arms of Salvation, ici, qui sera en rare. Et derrière, nous avons directement une rare en Arthur Kelter. Bon, bah écoutez, pourquoi pas. Nous avons du coup le Bilzemon, ici, qui est quand même sacrément stylé en Arthur Kelter, on va pas se mentir. Ok. Ok, ok, très bien. Bon, bah ça commence directement, messieurs dames. Hop, le relief sur les cartes, elles sont quand même sacrément stylées. Au moins, ça, c'est fait. Hop, on passe, messieurs dames, à notre deuxième booster. Tac, voilà. Hop. Tac, voilà. Bon, j'espère qu'on aura des secrets. Je vous avoue, j'aime bien, moi, les secrets. Avoir des secrets, c'est quand même cool. Hop, c'est les cartes les plus chiantes à récupérer, de toute façon. Hop, voilà. Et on est parti, messieurs, dames, avec ici un demi de Vion, ici. Ok, donc en commune. Yokomon, ici. Kurizalimon, ici. Donc ça fera plaisir à Sprouch. Gatomon, ici. Tsukaimon. Sanzomon, ici. Neo Devimon, c'est mon Devimon préféré, je peux pas mentir. Phantom Pain, ici. Angemon, en Unko. Ludomon, en Unko. Brive de Ludramon ici qui sera en rare, ok, sacrément stylé. Et derrière nous avons en rare également, hop, Gate of Deadly Sins, ok, donc c'est un bébé, donc ça je suppose que ça doit être comme mover, il y a de grandes chances que ce soit comme mover, donc Breeding, Start of New Manifies, plus de top card of your Digi-Egg, comme étant la digivolution de cette... Ensuite, et détruisez tous vos Digimon, très bien. C'était fait delete, si c'était fait à delete quelque chose... Placer un discard from your trash. Ok. Breeding. By deleting this Digimon, c'est vraiment. J'ai un au Gudomon depuis votre trash sans payer son coût. D'accord. Oh, ça a l'air très bizarre. Je vais me renseigner. Le deck, il a l'air très 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 drôle. Ok. A voir. Tu détruis tout, etc. Ok, je veux voir le deck. Je suis convaincu. Hop, tac. On est parti, messieurs, pour le booster suivant. Hop. Avec ici un petit Lopmon. Final Excalibur ici, Sea of Destruction, Zuba Igarmon, Kokomon ici, Duramon, ici nous avons un Sagomon, Feresmon ici en Unko, Sushangmong ici qui sera en Unko, Sakutomon ici en Unko, Seraphimon Ace ici qui sera une rare, très bien, et derrière Uankomon qui sera du coup la deuxième rare de ce booster, ok. Hop, tac, le booster suivant, voilà, c'est ouvert, messieurs dames, tac, qu'est-ce qu'on a de beau ici, bon, on va le savoir tout de suite, hop, ça c'est bon, c'est récupéré. Et c'est parti avec ici du coup un Raiju Ludomon, Gokumon, Boogimon ici, Biomon, Keramon, Witchmon, ici nous avons un Tia Ludomon, Lady Devimon, Sho Akaimon ici, Jikemon, Mega Digimon Assembly ici qui sera du coup une rare, ok, c'est une revisité je crois de l'original hein, il me semble, hop, pour Chaosmon, et cette fois-ci nous avons une SR, bah écoutez messieurs, Dominimon ici, ok, donc pour 12 et 4 sur un niveau 5, c'est une 12 000 de patates, lorsqu'il digivole, cherchez dans votre security stack, vous pouvez jouer un niveau 5 ou moins Angel ou Archangel Digimon parmi eux, sans payer son coût. Mélangez ensuite votre security stack et un des Digimon de votre adversaire à moins 7 000 pour le tour. Ah, il remet pas de... Ouh, c'est chiant. Trey, il a Angel en tant que type, très bien, bon ça, ils le mettent toujours...
Tous les tours, lorsque ce Digimon avec lorsqu'un de vos Digimon, pardon, avec Angel, Archangel ou Free Grit Angels dans ses traits devrait quitter la Battle Area ou alors autre que par un effet ou au combat, ok, vous pouvez trash la security stack de votre personne pour prévenir son départ. Très bien. Bon, il est bizarre. Hein. Ouais, bof. Je pas convaincu, je vais pas mentir, hop. On a lu des trucs beaucoup plus vénères que ça, on va pas se mentir. Lui, Mais ou alors je vois absolument pas comment il joue, mais c'est pas impossible non plus. Mais ici nous avons du coup, messieurs dames, un Salamon, demi-vide, demi-vonne, Yokomon, Kurizalimon, Gatomon ici, Sanzomon, Neodevimon, Pandemonium Lost, Luxmon ici, Kakimon. Ici, nous avons le Bilzemon, du coup, cette fois-ci en classico. Écoutez, pourquoi pas, hop. Et Arcaille Angemon, ici, qui sera du coup la rare de ce booster. Ok, tac. Hop. Le booster suivant, messieurs, dames, tac. Voilà, ça c'est bon, c'est ouvert. Donc, on avait dit qu'il y avait combien de super rares? Il y en a 12, hein, quand même, ouais. Donc, ça fait beaucoup. On n'aura pas toutes les super rares, ça je ne pense pas. À moins qu'on ait de la chance, mais écoutez. Salamon, ici, demi-devimon, Yokomon. Ici, nous avons Kurizalimon à nouveau. Gatomon, ouais, en plus, il y a une façon de les boosters se font, ok, c'est chiant. Tiens, Ludomon ici, Sanzomon, Devimon ici, Tekka Takaichi, Turiemon, Descent of the Three Great Angels ici en rare, et derrière en autre rare, Rise of the Seven Great Demon Lords. Bah écoutez, okidoki, hop. Tac, on passe, messieurs, dames, au booster suivant. Hop, ça c'est bon, tac. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ici? Bon, on va le savoir tout de suite. Ça, c'est fait. Hop. Avec ici, messieurs, dames, du coup, un Tsukaimon, un Lopmon, Final Excalibur, Sea of Destruction, Zuba Igermon, Kokomon, Neodevimon ici, Bastemon, Chupimon ici, enfin Cupimon, pardon, Zubamon ici, Spadamon ici en rare, et derrière nous avons Dandevimon ici. Oh, c'est vrai qu'il est stylé lui aussi. Il sera du coup la deuxième rare de ce booster. Okidoki. Hop, tac, voilà. On passe, messieurs, dames, au booster suivante. Hop, voilà, ça c'est bon, hop. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ici? Bon, on va le savoir tout de suite. Ça c'est pris, hop, et c'est parti, messieurs, dames, ici avec un Raiju Ludomon, un Gokumon, Boogimon, Biomon, Keramon ici, Duramon, Sagomon, Anjoumon, Infernmon ici, il est quand même sacrément stylé, c'est Infernmon, Phantom Pain ici, Durandamon ici qui sera en rare, et derrière nous avons une autre rare, ce sera Lucemon. Ouh. J'aime beaucoup, moi, Lucemon. Eh, il évolue de Cupimon? Je savais même pas. Je savais absolument pas qu'il évoluait de Cupimon. Ce qui, du coup, fait sens, hein, avec Cupimon, c'est un petit ange. Mais okidoki, pourquoi pas. Hop, tac, voilà, ça c'est bon. Hop, on peut reprendre les cartes, tac, ça c'est fait. Et on est parti, messieurs, ici avec un Gatomon. Tsukaimon, Lopmon, Final Excalibur, Sea of Destruction, Zuba Igermon, un petit Duramon, Angemon, ici, Ludomon, Feresmon, Rise of the Seven Great Demon Lords ici qui sera en rare, et derrière nous avons une secrète, messieurs dames, et bah voilà. Et est-ce qu'elle est en artwork alternant? Non, c'est juste une secrète, enfin c'est juste, c'est déjà très bien. Mireille Mikagura ici qui sera en secrète, donc pour 4 durant votre tour, lorsque une de vos Holy Beast, Archangel ou Fallen Angel dans ses traits est jouée, vous pouvez suspendre ce timer afin de gagner un mémoire. Puis un de vos Digimon peut digivolver sur un Ange Woman ou Lady Devimon dans votre trash, enfin de votre trash, avec un Digivolution Cost réduit de 1, c'est bien. Durant votre tour, une fois par tour, deux de vos Digimon peuvent DNA Digivolve parmi un Digimon depuis votre main. D'accord, très bien. Et donc en plus, tu le fais gratuitement du coup. Je crois. Ah, quoi que non. Si DNA Digivolve, si, je crois que c'est toujours gratuit. Et Security Play, vous pouvez jouer cette carte depuis enfin, en Security Effect. Écoutez, moi je ne dis clairement pas non. Hop, Mireille, du coup, c'était Cyber Sluff, si je dis pas de bêtises. Si je me rappelle bien, je crois que oui. Normalement, oui. Donc écoutez, au moins ça fait une secrète et ça je suis plutôt content. Hop, tac, on passe, messieurs dames, au booster suivante. Hop, avec ici un Salamon, demi-devimon, Yokomon, Kurizalimon, Gatomon ici, une petite Witchmon, Tia Ludomon, Angemon ici, un autre Ludomon, Feresmon, Leviamon ici qui sera en rare, et il est quand même sacrément stylé, on va pas se mentir. Hop, tac, voilà, c'est son artwork normal, très bien. Et Antilamon ici également qui sera en rare, et écoutez, ils se sont déchaînés par contre sur sur le Leviamon, il est ultra stylé, je sais pas pourquoi, tac. On continue, messieurs dames, hop, voilà, ça c'est bon, hop. Car autant de Bizemon, on a vu que c'était son artwork alter, mais bon, écoutez, tac, voilà. Normalement, on a eu les deux artwork alter, ça c'est ce qui m'inquiète, on a eu qu'une seule super par contre pour l'instant. Ici, nous avons du coup Tsukaimon, Lopmon, Final Excalibur, Sea of Destruction, Zuba Igermon, Sanzomon, Neodevimon,
Shushang Wang, Sakutomon, Lady Devimon ici, Creepymon ici qui sera en rare, et bah écoutez pourquoi pas, et derrière nous avons Mastemon Ace, ok, qui sera du coup une super rare, donc on est parti, donc pour 7 dont... Pour 4 sur un niveau 5 jaune ou violet, 12 000 DNA Digivolve LV, enfin sur des niveaux 5 et 5 jaune et violet pour un coup de 0. Depuis votre main en counter, vous pouvez bless DNA Digivolve en utilisant du coup Angemon et Lady Devimon, ok. En jeu, lorsqu'elle Digivolve, vous pouvez jouer un niveau 5 ou moins Digimon avec Ange, Archange ou Fallen Angel depuis votre main ou trash sans payer son coût, ok. Puis vous pouvez DNA Digivolve en plus, placer un autre Digimon depuis votre bottom comme... Puis vous pouvez DNA Digivolve, placer un autre Digimon en tant que bottom parmi votre Owner Security Stack and trash cards from the top of the... Who the fuck. Donc c'est fort, tu trash ensuite les cartes de l'adversaire jusqu'à ce qu'il lui reste plus que 4 dans la Security Stack. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, très bien, c'est gratuit en plus, ça se prend vraiment... Bon allez, c'est bon. Et le Overflow 4 par contre. Ok, hop. Bon, Mastemon, c'est un Digimon que j'aime beaucoup, je trouve très stylé. Hop, tac, voilà. Bah, le côté blanc et noir, hein, de toute façon, ça marche toujours extrêmement bien sur moi. Hop, tac, voilà, on est parti, messieurs, avec ici le prochain booster. Kokomon, Raiju Ludomon, Gokumon, Boogimon, Biomon, Duramon, Sagomon, ici, Sho Akaimon, Jikemon, Pandemonium Lost, Brave Ludramon, ici, en rare. Et derrière, nous avons une autre SR, ah, ça y est, je me suis plaint qu'on n'avait pas d'SR, maintenant on les a. Ragna Lordmon, ici, pardon, ok, pour 9, 15 000 de patates, niveau 6, enfin, il digivolve sur un niveau 6, rouge ou noir pour 5, DNA digivolve niveau 6, niveau, et plus un niveau 6, rouge et noir, coste 0, donc vu que c'est un Ace, il a le End, Counter, Blast, DNA digivolve, il a le Raid et le Reboot, ça se prend. En jeu, lorsqu'il digivolve, vous pouvez trash la Security Stack adverse, enfin, la celle du dessus, et ce Digimon n'est pas affecté par les effets de l'adversaire jusqu'à la fin de leur tour, très bien. Puis vous pouvez DNA digivolve, dès digivolve 1, tous les Digimon adverses et delete un de leurs Digimon. Oui, ok. Qu'est-ce que... Très bien. Toujours plus, hop. Ok, et il a l'Overflow 5, par contre, mais qu'est-ce que c'est que cette carte, par contre. Il fait le café, un petit doigt dans le pétou, et ensuite il va embrasser votre femme. C'est... Qu'est-ce que c'est que ça, là? Vraiment, il est vénère du cul. Ok, hop. C'est parti, messieurs et messieurs, avec un Keramon, Salamon, Demi-Devimon, Yokomon, Chrysalimon ici, Witchamon, Tia Ludomon, Luxmon ici, Kakinmon, Devimon ici, Gate of Deadly Sins ici en rare, et derrière Seraphimon également en rare. Ok, hop, tac. On continue tranquillou bilou, messieurs, dames. J'espère que bon, l'ouverture vous plaît. Jusque-là, moi, je m'amuse. En vrai, c'est fou, hein, mes Digimon. Je m'amuse toujours énormément quand on ouvre ces boosters-là. Hop. Alors, c'est bête, mais c'est pas un jeu auquel je joue beaucoup. Mais c'est un jeu que j'aime beaucoup ouvrir, par contre. Et juste regarder les cartes parce qu'elles sont stylées. Keramon ici à nouveau. Salamon. Demi-Devimon ici. Yokomon. Chrysalimon. Sanzomon ici. Neo-Devimon. Angewomon. Infernmon ici qui fait son retour. Phantom Pain. Descend of the Three Grand Angels ici en rare. Et derrière, nous avons. Bah écoutez, moi je dis pas non. Mireille Mikagura ici qui sera en secret mais en alternative. Donc on a eu la normale et on a eu l'alternative. Bon écoutez, on peut comparer les deux du coup. Moi je dis clairement pas non, ça je ne m'y attendais pas, vu qu'on avait eu la secret, je ne savais pas qu'on aurait eu une autre alter. Donc écoutez, clairement, ouf. Et surtout une alter en secret. Moi je ne dis vraiment pas non, hop. On passe, messieurs dames, au prochain booster. Tac, voilà, ça c'est bon, hop. Avec ici, messieurs dames, hop. Un Gatomon, Tsukaimon, Lopmon, Final Excalibur, Sea of Destruction, Sanzomon, Neo Devimon, Teka Takaishi, Turiemon, Bastemon, Wankumon ici en rare, et derrière nous avons Mega Digimon Assembly qui sera également en rare. Hop, tac. On passe, messieurs dames, au booster suivante. Hop. Tac, voilà, ça c'est bon. Le booster est ouvert, tac, les cartes sont récupérées, et c'est parti, messieurs dames, qu'est-ce qu'on a ici? Bah, on a ici un Zuba Igermon, Kokomon, Raiju Ludomon, Gokumon, Boogimon, Duramon, Sagomon, Cupimon ici en Unco, Zubamon en Unco, Angewomon en Unco, Bilzemon qui fait son retour en rare, et derrière nous avons Arcaï Angemon qui sera du coup la deuxième rare de ce booster. C'est un grand, non, c'est une principauté, très bien, c'est un ange en plus. J'avais demandé ce que c'était lui, le troisième Grand Angel, mais apparemment non. Hop, si on retombe sur la rare qui dit l'assemblement des trois grands anges, je regarderai qui y a dessus. Hop, il y a Domimon, ça c'est sûr, enfin Dominimon. Tac, le booster, voilà, c'est bon, j'ai réussi à le rouvrir. Et il y a Seraphimon, mais il en manque un, hein, du coup, je ne sais plus qui c'est. Je l'ai pas vu qui c'était. Hop. Ici, nous avons du coup un petit Biomon, un autre Keramon, Salamon, Demi-Devimon ici, Yokomon, Witchmon, Tia Ludomon, Infermon, Phantom Pain ici, Angemon,
Mythical Arms of Salvation, et derrière nous avons Belphémon Rage Mode ici. Bah écoutez, pourquoi pas, c'est aussi un des grands démons lui, ok. Il est sacrément stylé, hein. Rage Mode qui évolue sur le Sleep Mode. Est-ce qu'il y a un Sleep Mode? Pour l'instant on l'a pas vu, donc peut-être, après est-ce que c'était pas juste une référence aux deux autres qui étaient sortis, BT15 ou BT16? Bonne question, je ne sais plus quel BT c'était. Ou est-ce que c'était une EX, hein, ça se trouve, je ne sais plus du tout, mais il y en avait déjà eu. Hop, un Chrysalimon ici, Gatomon, Tsukaimon, Lopmon, Final Excalibur, Sanzomon, Neodevimon ici, Ludomon, Feresmon, Shushang Wang, Descent of the Fragrant Angels, donc il y a qui? Oui, il n'y a même pas Dominimon, d'accord. Il y a le... j'ai plus son nom à lui. Ah, c'est pas Cherubimon, mais si, peut-être. Ah, c'est peut-être Cherubimon. Seraphimon, par contre, elle, je ne sais pas du tout qui c'est, très bien. Derrière, nous avons une super rare, messieurs dames. Xiangpengmon ici, qui est quand même sacrément stylé en termes d'artwork, qu'il est cool. Pour 12 en bleu, c'est ou un 4, enfin pour 4 sur un niveau 5, 12 000 de patates. En jeu, lorsqu'il digivolve, vous pouvez placer 3 de vos autres Blue Digimon parmi les Digivolution Cards de cette carte. Très bien. Puis renvoyez tous les niveaux 4 ou moins Digimon à la main. Ok. Pour chaque Digivolution Cards placé par cet effet, c'est ajouter 1 au niveau maximum de cet effet. Ok, donc si tu mets 3, tu peux monter jusqu'au niveau 7. Pff, très bien, tu peux rasboard entre guillemets. Durant votre tour, une fois par tour, lorsque un effet ajoute une Digimon, enfin une Digivolution Cards à ce Digimon, vous pouvez jouer un niveau 5 ou moins parmi avec Aqua ou Sea Animal dans ses traits depuis la Digivolution Cards, enfin depuis lui, sans payer son coût. Très bien. Et en rue, il est là, aquatique type en plus. Bah écoutez, lui, il est quand même sacrément fort, je trouve. Si t'arrives à le chier, c'est un rasboard garanti, donc, enfin rasboard. C'est un Cyclone Rift, je crois, c'est ça, Magic, où tu... c'est un masse retourne en main. Donc en vrai, non, c'est quand même sacrément balèze. Hop, tac. Voilà, et on est parti, messieurs et messieurs, avec un Kokomon. Raiju Ludomon, Gokumon, Boogimon ici, Biomon, Witchmon, Tia Ludomon, Bastemon ici, Cupimon, Zubamon, Belphémon ici, Rage Mode, et derrière nous avons une autre SR, et c'est une SR à l'artwork alternatif, et bah ça fait commence à faire beaucoup. Ophanimon, ah bah c'est elle, ok, d'accord. Est-ce qu'on l'avait eu, Ophanimon? Je ne sais même plus. Domini, Masté, non, on l'avait pas eu. Ok, bah écoutez, moi je prends. Clairement, je prends. Donc Ophanimon ici, donc pour 7 ou pour 4 sur un niveau 5, rouge et ou jaune. Digivolve pour, sur n'importe quel Angemon pour un coup de 3, très bien. Donc elle a le Blast Digivolution, enfin Encounter Blast Digivolve. En jeu, lorsqu'elle digivolve, vous pouvez trash le dessus ou le dessous de votre Security Stack. Un Digimon adverse perd 8000 de DP jusqu'à la fin du tour. Tous les tours, une fois par tour, lorsqu'une carte est remove de votre Security Stack, si c'est votre tour, votre ce Digimon gagne Security Attack plus 1 pour le tour. Si c'est le tour de votre adversaire, vous faites un Recovery plus 1. Ok, bah c'est bien. Et là, Overflow pour 4. Bah écoutez, clairement, ça se prend. Hop. Donc ça veut dire que tu peux survivre encore à une attaque, etc. Ouais, non, c'est bien. C'est vraiment super bien. Hop, tac. Ça, c'est bon. On passe au prochain booster, messieurs, dames. Tac, voilà. Avec ici, un Sea of Destruction. Zuba Igermon, Kokomon, Raiju Ludomon, Gokumon, Duramon ici, Sagomon, Sakutomon, Lady Devimon, Sho Akaimon, Rise of the Seven Great Demon Lords, et derrière, Ophanimon en SR classique. Bon, bah écoutez, au moins ça, ce sera fait également. Donc, ça nous fait combien d'SR classiques? 1, 2, 3, 4, 5. Et il nous reste 4 boosters, messieurs dames. Bon, 5 sur 12, c'est pas beaucoup. Mais on a eu des artworks alter, et ça, c'est quand même stylé. Et on a eu une secrète. Donc, ça, clairement, c'est plutôt. Je crois que la secrète bouffe normalement un slot de super rare, si je ne dis pas de bêtises de mes souvenirs. Boogimon ici, Biomon, Keramon, Salamon, Demi-Devimon, Witchmon, Tia Ludomon, Xikemon, Pandemonium Lost, Luxmon, Spadamon ici en rare, et derrière en deuxième rare, nous avons Dan Devimon. Ok, hop. Tac, on passe, messieurs dames, au Booster Suivante, l'antépénultième, l'avant-avant-dernier si vous préférez. Hop, tac, voilà, ça c'est bon. Hop, et on est parti avec ici, du coup, un Yokomon, Chrysalimon, Gatomon, Tsukaimon, Lopmon, Sanzomon, Neodevimon, Kankinmon ici, Devimon, Teka Takaishi et Karikamiya, Durandamon ici qui sera en rare, et derrière en deuxième rare, nous avons un autre Lucemon. Ok, hop. Notre pénultième booster, messieurs, dames, notre avant-dernier, hop, tac, voilà, c'est bon, il est ouvert, ça c'est fait, hop, non, j'ai mal ouvert, oh, tu dois voir si j'ai mal ouvert, hop, tac, voilà, ça c'est bon, messieurs, dames, toutes les cartes, c'est bon, j'en ai pas oublié, hop, et on est parti avec ici, du coup, un Final Excalibur, Sea of Destruction, Zubaigermon, Kokomon, Raiju Ludomon, Duramon, Sagomon, Tureyemon ici, Bastemon, Cupimon, Leviamon ici qui fait son retour en rare, et derrière nous avons Antilamon qui fait également son retour.
Et messieurs, dames, notre dernier booster de Infernal Ascension. Ça, en vrai, ça aurait été une très très bonne display. Je l'ai beaucoup aimé celle-ci. Hop. Comme quoi, c'était mes Digimon. C'est peut-être du coup vraiment devenu mon type de display que je préfère ouvrir. Hop. Tu te sens récompensé en fait à les ouvrir, c'est bête. Mais... Ici, nous avons du coup Gokumon. Ici, Boogimon, Biomon, Keramon, Salamon, Witchmon ici, Tialudomon, Zubamon, Angewoomon ici, Infermon ici, Creepymon ici qui fait son... Oh ! Est-ce qu'on l'avait vu ? Si, on l'avait vu au tout début, Creepymon. Et derrière, une SR pour terminer, mais ça se prend, ce sera Lilismon. Toujours, elle respire toujours très bien, celle-ci. Hein. Pour 11 en violet ou pour 3 sur un niveau 5, en jeu ou lorsqu'il digivolve jusqu'à la fin du tour de votre adversaire, un de leurs Digimon gagne à la fin de mon tour, delete ce Digimon. Bon, c'est un peu lent comme removal, mais pourquoi pas. Après, c'est sur le gros port, ok. Tous les tours, une fois par tour, lorsque ce Digimon devrait quitter la Battle Area autre que par le combat, vous pouvez delete un niveau 5 ou moins Digimon que pour prévenir son départ. Durant le tour de l'adversaire, une fois par tour, lorsqu'un autre Digimon est delete, vous pouvez trash le dessus de la Security Stack adverse. Ah, c'est bien. Ah, en vrai, c'est plutôt cool. Eh ben, écoutez, messieurs, dames, c'est tout pour cette vidéo. Hop, nous avons nos communes, nos Unco et notre petite promo juste ici. En termes de rares, on a eu tout ce petit beau monde-là. Hop, donc ça, par contre, ça fait... Les rares, c'est toujours celles où il y en a le plus. Hop, c'est normal. Tac, voilà. Ça, c'est bon. Ok. En termes de super rares, donc on en a eu 6, c'est ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, on a eu ces petits gars-là. Hop, tac, voilà, ça c'est bon. On a eu la chance d'avoir une secret avec la présence de Mireille juste ici. Hop, et en termes du coup de artwork alternative, on a eu une artwork alternative de super rare de Ophanimon, une artwork alternative de Bilzemon en rare, et surtout nous avons Mireille Mikagura qui aurait été en artwork alternative de la secret en elle-même. Donc écoutez, ça se prend. Sur ce, mes dames, j'espère vous retrouver pour d'autres vidéos sur évidemment du Digimon, mais si ça vous intéresse, je ne fais pas que ça sur la chaîne. Je fais également du Dragon Ball Super, du Final Fantasy, du Lorcana, du Magic the Gathering, du One Piece, du Pokémon, du Yu-Gi-Oh! Jurassic, du Wankel, du Vice and Schwartz, et du Beyblade pour ce qui n'est pas TCG. C'était Siwen, messieurs dames. A plus tout le monde.